easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Je dois juste mettre un string parce qu'il tient pas. Ah, il est bébé, ça ressort vachement mieux tes quads. Il n'y a rien à dire. Hein. Là, on voit le. Cette toute nouvelle vidéo. Alors on est lundi matin, ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach comme chaque lundi. Donc j'attends de ses nouvelles. Par rapport à mon physique, donc la semaine passée j'ai vraiment maintenu mon poids, je suis toujours autour des 55 kg. J'étais un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais toujours en moyenne à 55 kg. Donc vraiment je maintiens mon poids. Par contre physiquement, en tout cas hier, il me semble qu'il y a tout qui ressortait un peu mieux. Ce matin j'étais aussi plutôt bien. Donc voilà, on verra ce que mon coach me dit, on verra les macros pour cette semaine. Donc c'est plutôt cool pour dire que je mange bien plus qu'avant. Je suis presque à 1900 calories je crois, donc c'est top quoi. Je mange franchement pas mal, enfin toujours pas en très grande quantité, mais disons que par rapport à mes 1550 calories au plus bas de ma sèche, là je suis quand même presque bientôt à 2000 calories, donc franchement c'est top. Je maintiens mon physique, limite je l'améliore encore, donc que du positif. Sinon, moi, maintenant, je vais passer en ville, je vais acheter des trois trucs. Ensuite, je vais directement aller à la salle. J'ai le bas du corps aujourd'hui. Je suis 40 minutes de cardio à faire. Enfin, à part si mon coach me change le cardio, il diminue ou il augmente, je sais pas, on verra. Je pense pas, mais on verra. Et puis sinon, ce soir, j'ai un coaching. Et puis c'est tout. Ah, j'ai encore oublié de vous dire avant, la semaine passée, j'ai booké mes vols et le Airbnb pour Rome. Donc le make-up aussi est booké. J'ai plus que le tan à regarder encore, mais sinon, il y a tout qui est en ordre. Donc c'est officiel, tout est bon, l'inscription aussi, tout ça. Alors j'étais en train de m'échauffer, mais honnêtement j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim, pourtant j'ai mangé il n'y a pas très longtemps quelque chose, mais j'arrive juste pas. Du coup je suis vite passée à la voiture, j'étais en ville avant et j'ai acheté une barre protéinée. Normalement c'était pour demain, mais je vais manger en tout cas la moitié parce que j'arrive pas à m'entraîner en ayant autant faim alors que je suis seulement en train de m'échauffer. J'ai encore tout mon entraînement jambes, plus du cardio, je vais pas y arriver. Donc là je vais manger la moitié de cette barre. Et puis j'ajusterai le reste de mes repas en fonction parce que elle va pas rentrer dans mes macros sur la journée en fait. Donc c'est cette barre, j'ai jamais goûté mais je trouvais qu'elle avait l'air hyper bonne, ça me donnait trop envie. Et les macros c'est 9 g de lipides, 18 g de glucides et 16 g de protéines. Easy.
Alors, il est 18h, je suis rentrée de la salle il y a une heure et demie je crois. J'ai mangé un truc, je me suis douchée et là je vais bientôt partir pour mon coaching. Mais j'ai reçu des nouvelles de Stephen. Donc la première chose c'est qu'on augmente les macros. Donc il m'a augmenté 5 g de glucides et 5 g de lipides. Donc on passe à 85 g de glucides par jour, 150 g de protéines et 100 g de lipides. Donc voilà, on continue d'augmenter, c'est très bien. Le cardio reste le même, 7 fois 40 minutes. Et en fait il m'augmente surtout parce que je lui ai dit que j'avais très faim ces derniers jours. C'est vrai que la semaine passée j'arrivais pas à dormir la nuit. Je vous l'avais pas dit je crois, mais deux ou trois fois j'arrivais pas à dormir jusqu'à 3h du matin. Et j'avais mangé une barre protéinée et puis aussi une fois un yogourt, un skyr ou un truc comme ça au milieu de la nuit, parce que je ne pouvais pas m'endormir tellement j'avais faim. Et du coup j'avais un petit peu dépassé mes macros, donc je lui ai dit tout ça. Et c'est pour ça que bah là il m'augmente en disant ce sera plus réaliste pour toi. Mais mon physique en tout cas, ça n'a absolument pas impacté mon physique. Donc on peut faire vraiment ces augmentations, il n'y a pas de souci. Et puis la deuxième chose, c'est que vendredi, donc la semaine passée il m'avait dit qu'on ferait sûrement une mock peak, ce qui est donc un test par rapport à la semaine avant le concours. Qu'est-ce qu'on fait avec les glucides, etc. Donc on fait un test. Et il m'avait dit t'auras un burger. Et il m'a confirmé que vendredi soir je peux sortir aller manger un burger et des frites. Et samedi matin faut que j'envoie des photos. Et si mon physique est bien, et eh bien on refera ça juste avant le concours à Rome. Donc le vendredi soir j'irai manger le samedi soir j'irai manger un burger à Rome. Donc je me réjouis trop. Vendredi soir je peux sortir manger un burger et des frites. Ça fait trop plaisir. Après là on est que lundi, donc maintenant tous les jours je vais attendre qu'on soit vendredi. Et puis c'est tout. J'ai faim. Je crois que c'est maintenant que j'ai le plus faim de presque toute ma préparation en fait. C'est la semaine passée là et puis ces jours. J'ai vraiment 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 faim. Mon corps est vraiment vraiment sec en ce moment. Et tout ce que je mange en fait il l'absorbe direct. Et puis mon métabolisme est en train de vraiment de se relancer. Et du coup j'ai faim. J'ai très faim. Mais voilà. T'as vu cette choucroute ou bien? Bah on la voit pas. C'est trop gros. Que faisons-nous aujourd'hui? De quoi t'en parler en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On avait cool notre vie. Bon, bon. Un café. Alors, on est quel jour? Non, je t'embête. On est mardi. Mmh. On est mardi matin, on va aller boire un café, ensuite on va aller faire des courses et puis ensuite on ira s'entraîner. J'ai le haut du corps aujourd'hui. Toi, t'as quoi aujourd'hui? Un mix de. Faut que je regarde mon plan, je sais plus. Ok. Des squats, en tout cas. Des squats, ok. Et j'ai aussi du cardio à faire, 40 minutes. Et voilà. Alors je viens juste d'arriver à la salle, là je suis dans la petite salle derrière, je vais faire un petit peu du posing, ensuite je fais le haut du corps, puis ensuite je fais encore mon cardio. C'est jogging, et puis ils m'étaient trop petits avant, et puis maintenant bah, ils me tiennent plus quoi, enfin les fesses c'est horrible. J'ai pas de fesses là-dedans, c'est moche, mais bref. Thank you.
Je vais juste vous montrer ce que je me suis fait à manger. Donc c'est des espèces de croque-monsieur, mais de courge. Donc en fait, j'ai coupé des rondelles de courge butternut. Donc juste comme ça, assez fine. Ensuite, j'ai rajouté du fromage, une tranche de jambon, j'ai remis une tranche de courge et un petit peu de fromage encore. Donc là, j'en ai deux. Je vais goûter ça, on verra. Et sinon, j'ai déjà mangé un filet de saumon et puis des épinards, comme vous avez vu, et aussi un peu du poivron. En conclusion, c'est vraiment super bon. Voilà. Donc si vous voulez faire, n'hésitez pas. Alors on est mercredi matin, ce matin j'ai rendez-vous pour un massage, donc là on est en train d'y aller. Lucas a un rendez-vous en ville aussi et puis ensuite on ira boire un café je pense. Aujourd'hui c'est mon jour de repos donc j'ai seulement du cardio à faire, donc j'irai à la salle plus tard faire juste mon cardio, peut-être du posing aussi. Et je vais faire aussi une recette pour mon blog, une nouvelle. Et puis c'est tout. Alors je suis en train de faire une recette pour mon blog, donc c'est des cookies à la courge. Donc j'ai simplement fait une purée de courge, je crois avant-hier. Et puis j'ai utilisé pour faire ces cookies aussi des pois chiches, de la farine d'amande. Donc vous me demandez souvent, moi je la prends sur NU3, des pépites de chocolat, etc. Enfin la recette sera sur mon blog Bowl & Spoon. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et puis là, cette plaque, je vais la cuire au four, mais sinon j'ai déjà des cookies qui sont cuits. Donc là j'ai déjà pris les photos pour mon blog, j'ai pas encore goûté, mais ceux-là je les ai cuits dans mon air fryer, donc là-dedans. Mais j'essaie aussi de faire une fournée au four pour ceux qui n'ont pas d'air fryer qui puissent aussi les cuire au four. Donc là je vais enfourner ceux-ci, puis je vais goûter les autres. Et pour les macros, donc chaque cookie contient 4 g de protéines, 5 g de glucides et 3 g de lipides. Donc là je suis en train de manger, je me suis refait les croque-monsieur à la courge exactement comme hier. Et franchement c'est juste trop bon. Et en dessert j'aurai encore deux autres cookies. Je peux m'en mettre trois aujourd'hui. Alors il est 16h, là on va partir pour la salle. Moi j'ai 40 minutes de cardio à faire et je vais aussi faire du posing. Ce vlog n'est vraiment pas intéressant franchement. Cette semaine j'ai rien à dire, j'ai rien à montrer. J'ai juste reçu les résultats de ma prise de sang de vendredi passé. Donc, j'ai pas encore les résultats papier, je regarderai demain. Mais mon médecin m'a téléphoné et apparemment tout est normal, très étonnamment. Mes hormones ça va, la thyroïde aussi. La seule chose c'est que j'ai un taux de vitamine D assez bas, trop bas en fait. Donc il va me faire une ordonnance pour de la vitamine D. Mais sinon il y a tout qui est en ordre, donc j'attends quand même de recevoir les résultats de pouvoir voir par moi-même. Bon, je vais faire mon cardio, j'ai pas du tout envie. Hein. Une tasse NU3 et des t-shirts. Cool. Il est cool. Je pense que Luca va me le piquer. C'est sûr. Bah, c'est pour homme. Ah, ça me fait une robe. Ils sont choux, ces crocs. Regarde, ils sont choux. Alors ce matin j'ai de nouveau fait une recette pour mon blog, donc c'est des truffes au chocolat à la courge et aux noix de pécan. Là je viens de faire les photos, je vais juste en goûter une. C'est trop bon. Oh putain c'est trop bon. J'en fais les photos encore. C'est incroyable. Oh putain, je dois en manger que deux, je sais pas comment je vais faire. Alors, on est jeudi, il est midi. Là, je vais partir, je vais aller faire des courses. Je dois acheter 2-3 trucs et puis ensuite, j'irai m'entraîner plutôt fin d'après-midi, je pense, on verra. Aujourd'hui, j'ai les jambes et aussi 40 minutes de cardio, comme tous les jours. Ce matin, vous avez vu, j'ai fait une recette. Honnêtement, c'est une des meilleures recettes que j'ai fait de ma vie. C'est une tuerie.
Non mais j'exagère pas, hein. C'est trop bon. Je vais essayer de vous la mettre assez rapidement sur le blog. C'était dur de pas tous les manger, je vous jure. J'en ai mangé 3 finalement, j'ai réussi à en mettre 3 sur ma journée en respectant mes macros, donc c'est bien. Mais franchement, putain, je les aurais tous mangés si je pouvais, quoi. Je les ai congelés directement, je les ai pas laissés traîner à la cuisine pendant un moment. J'en ai laissé quelques-uns à Luca quand même. Mais le reste, je les ai congelés pour après mes compétitions, bien pour en manger un de temps en temps. Sinon, je sais que je vais aller en course, quand je vais revenir, ils seront sur la table, je vais en manger 2-3. C'est pas une bonne idée parce que là, ça entre plus dans mes macros. Et puis, ce que je voulais dire d'autre. En fait, je sais que cette vidéo n'a absolument... C'est pas qu'elle a aucun sens, mais... À part vous raconter mes journées, je sais qu'elle a aucune valeur. Et c'est pas super intéressant. Donc on verra ce que j'ajoute. Ce que j'ajoute dans cette vidéo pour qu'elle soit pas super chiante. Parce que pour le moment, je sais que c'est vraiment pas intéressant. Donc je suis désolée si vous vous faites chier jusqu'à maintenant en fait. Enfin voilà, bref. Je vais aller en course et arrêter de parler pour rien dire. Je voulais encore juste vous dire, donc les macros pour les truffes. Donc une seule truffe contient 3 g de protéines, 7 g de glucides et 6 g de lipides. Voilà, juste que vous ayez les macros. Alors je viens de revenir des courses et là je me fais à manger, donc j'avais envie d'une grosse salade. Donc je me suis fait une salade avec des épinards, du concombre, des pousses de haricots mungo et du brocoli. Dessus j'ai simplement mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'origan séché. Donc là je vais faire dans mon air fryer, je vais faire une sorte de chips de carottes. Je sais pas, j'ai jamais essayé, on verra ce que ça donne. Je voulais essayer. Voilà donc le reste de mon déjeuner. Donc j'ai 2 œufs entiers avec dessus un petit peu de gruyère râpée. Et puis là j'ai mes carottes donc au air fryer. J'en ai goûté une, c'est super bon. Et sur les œufs, je vais encore juste rajouter un tout petit peu de sauce barbecue de chez Enutron. Bon, je viens de préparer mon repas pour ce soir, donc je vais aller m'entraîner entre temps. Mais j'ai déjà préparé d'avance, comme ça tout est prêt pour quand je rentre de la salle. Donc là j'ai fait des légumes, donc il y a des oignons, des champignons et du fenouil. J'ai simplement fait revenir à la poêle, dessus il y a un petit peu d'huile d'olive. Là j'ai 150 g de poulet et puis un petit bout d'avocat. Il me restait pas beaucoup de lipides, donc j'ai que 30 g d'avocat. Juste avant de manger ça, je vais aussi manger un petit peu de choucroute, 120 g de choucroute comme ça. Et sur le poulet, enfin sur les légumes, je vais encore juste mettre de la sauce barbecue NU3, mais il n'y a quasiment aucun macro dedans, donc ça compte, ça fait je crois 2 calories pour 30 g, quelque chose comme ça. En dessert, je pourrais encore manger un skyr noix de coco. Parce que ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner, c'était juste du yaourt de soja, 200 g de yaourt de soja avec le muesli low carb de chez NU3. Donc j'ai pas mangé celui-là ce matin, donc je l'aurai en dessert ce soir. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste à manger aujourd'hui. J'ai aussi mangé un pudding protéiné avant. Et puis voilà, avec ça j'arrive parfaitement à mes macros. 87 g de glucides au lieu de 85, 152 g de protéines au lieu de 150 et 100 g de lipides. Alors il est 21h, je viens de finir de m'entraîner. Donc j'ai fait les jambes, enfin d'abord j'ai fait les abdos, c'est la seule chose que j'ai filmée d'ailleurs, je vais juste vous le mettre maintenant. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly. J'ai fait de la planche, des variations de planche sur la Swiss ball. Ensuite, j'ai fait les jambes, j'ai juste fait de la presse, des Bulgarian split squats, leg extension, leg curl, soulevé de terre roumain. Pas trop lourd, enfin voilà, en me concentrant bien sur le muscle. Puis voilà, j'ai fait mon cardio, 40 minutes les plus longues de ma vie, je crois. Et là, je suis absolument morte, donc je vais rentrer, je vais manger et je vais aller me coucher. Donne. Donne la balle. J'ai dit donne, balance-la là-bas. Va chercher, va prendre.
Alors, on est vendredi matin, je viens de me réveiller. Ça s'entend à ma voix, ça se voit à ma tête. Je viens de faire les photos pour mon coach. Parce que ce soir, on va se faire un burger et on verra en fait comment mon corps réagit à ça. Si mon corps réagit bien, on fera aussi ça à Rome le jour avant le concours. Donc on verra, je vais juste me peser, je ne sais pas combien je pèse ce matin. Ok, donc 55,2 kg, donc honnêtement c'est mon poids est super stable depuis un moment. Je suis toujours entre 55 et 55,3, je suis plus redescendue en dessous des 55 par contre. Alors il est 14h30, là je suis en train d'aller à la salle, donc je vais faire mon cardio, mes 40 minutes de cardio et le haut du corps aujourd'hui. Et puis ensuite je vais rentrer, manger un petit truc, me doucher et on va partir au restaurant. Donc on va à Yverdon ou double R, manger un burger et des frites, je me réjouis trop. Et puis je voulais vous dire aussi, donc le reste de ma journée, donc j'ai demandé à mon coach comment gérer les autres repas de la journée. Donc chaque semaine mon coach me donne des macros pour les jours d'entraînement et les jours de repos. Bon, comme ça fait 3 mois que je fais pas de jours de repos complet puisque j'ai tous les jours du cardio, ça fait 3 mois que j'utilise pas les macros de repos. Mais aujourd'hui il m'a dit justement d'atteindre ces macros là, donc les macros d'un jour de repos. Donc 60 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. Et 150 grammes de protéines. Donc j'ai atteint ces macros là, enfin il me reste encore un repas après l'entraînement et puis ce soir le burger en plus de tout ça. Donc voilà comment je gère ma journée en fait avec ce burger. Et sinon il fait trop moche. Alors je reviens juste de l'entraînement, j'ai fait mon cardio donc 40 minutes puis ensuite il me restait juste 30 minutes pour m'entraîner. Donc j'ai juste fait rapidement deux exercices dos, deux exercices épaules, un biceps, un triceps et franchement j'ai eu un de ces pumps, j'ai découvert des veines que j'avais jamais vues. Donc là je vais juste manger un truc, je vais me doucher et puis on va y aller, je vais juste vous montrer ce que je mange. Donc là j'ai des légumes, donc des champignons, brocolis, épinards et des pousses de haricots mungo, du concombre et puis du ragoût de veau que j'ai fait aussi ce matin. On est en route pour Yverdon pour aller manger un burger. J'arrête pas d'en parler mais je suis trop contente. Lucas il s'en fout lui, ça lui change rien de toute façon.
Alors, on est samedi, il est 13h, je viens d'arriver à la salle. Là, je vais faire un petit peu du posing. Ensuite, je vais faire les jambes et je vais terminer avec mes 40 minutes de cardio. Mon coach m'a répondu ce matin. En fait, j'ai envoyé les photos pour le après-burger, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et honnêtement, physiquement, il n'y a pas une grande différence par rapport à d'habitude. Donc, on verra si j'aurai quand même mon burger avant à Rome ou pas. Quoi qu'il en soit, ouais, physiquement, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Donc voilà. Je fais encore une nouvelle recette pour mon blog. On va goûter le seul morceau auquel j'ai droit. Il est très bon. Il est bon mon cake. Passe bien. Alors, on est dimanche, il est 14h30, là on va aller à la salle. Moi j'ai 40 minutes de cardio à faire. Et en fait, la semaine passée, Luca a commencé à apprendre un petit peu à poser comme une bikini. Vas-y. Alors, j'écarte un peu plus. J'écarte, voilà, ça va. Attention, pas les pieds. Comme le dos. Ok. Voilà. Vous voyez, mets les épaules en arrière. Élargis le dos. Et voilà. Ta main, voilà, l'autre. Voilà. Bon, ça, tu tiens comment? Tu tiens comme toi? Ouais, tu tiens comme toi. Ok, tends les jambes. Attends. Tends les jambes. Contracte, contracte. Pointe des pieds. Oui. Tends les jambes et contracte tes cuisses. Comble le dos. Plus. Voilà. Les jambes. Mais je peux pas. Comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça. Tends. Voilà. Contracte les cuisses. Ouais. Plus sur la pointe des pieds. Plus haut les pieds. Mais en fait. Ah, je peux pas plus haut les pieds. Je peux moins, mais je vais pas tendre. Ouais. Ah, putain. Trempe. Et après, tac. Et puis là, tu contractes les cuisses. Putain, t'as des strings fous ici. Là. Tout là, c'est du tout des strings. Ouais. Et du coup, on a décidé de faire une vidéo où il apprend vraiment toutes les poses. Donc, je vais lui apprendre les poses de bikini. 4 poses obligatoires, donc c'est front, inside, back et puis l'autre side. Et ensuite de nouveau. Donc. La front. Donc t'as les pieds écartés environ comme les épaules. Ouais. Tu tends les jambes, contractes les cuisses. Épaules. Ok. Tu mets tes orteils un peu vers l'extérieur. Service, quoi. Voilà. Ensuite, les jambes tendues. Et puis, tu contractes les quads. Pour qu'on voit ici les... Donc, tu cambres le dos. Hyper. Attends, d'abord tu contractes. Ok. Cambres le dos. Ici, tu laisses aller. Bah, tu dois pas contracter les abdos, il faut pas qu'on voie les plaques de chocolat. Tu dois un peu. Il faut un peu rentrer le ventre. Entrer ça le passe assez bien. Ça peut être lourd ça. Ok. Haut du corps. Donc, tu ressors tes épaules au maximum. Tu les mets vraiment contre l'avant. Parce que les jugis seront plus bas. Donc, il faut que tu avances un peu le haut du corps. Les bras, tu as une main, la main droite sur la hanche.
Toujours ressortir l'épaule, le coude vers l'avant, jamais vers l'arrière. Et l'autre bras, tu le laisses un peu tomber, mais l'épaule doit toujours ressortir. Et un peu dans le même angle que l'autre bras. Donc pas trop près du corps, pas trop haut non plus. Tac. Et puis là. Ouh. Ah, c'est bien. Alors, cuisse contractée. Tu peux être aussi sur les talons. Ouais, tu peux. Ah putain, c'est posé ici. Ok, c'est pas mal. D'accord, très bien. Transition. Vas-y, j'ai plus de dos. Alors, tu recules un pied. Le pied droit, tu le fais derrière. C'est demain. Tu détends les bras. Ensuite, tu tournes. Tu te mets le dos, voilà. Tu ressors la fesse, toujours cambrée. Mets tout ton poids sur la jambe gauche. Ah, sur la jambe, ok. Voilà. Ok. Attends, voilà. Là, tu changes maintenant le poids parce que c'est la jambe de devant qui doit être fléchie. Tu changes. Voilà. Et puis là, tu... Alors, c'est toujours la main droite sur la hanche. Et là, tu te tournes. Et tu cambres le dos. Ton épaule, en fait, le haut de ton... Ton bassin doit être contre la barre, mais tes épaules doivent être contre les juges. Ça manque. Alors, il sert, il faut laver encore. Voilà, mets tout ton poids sur la jambe droite. Ouais. Celle-là, il n'y a rien dessus. Tu dois pouvoir être sur un pied. Mais tu dois mettre le bassin contre là. Hein. Ouais. Ton bassin, il est. Tu vois la différence? Et tu rentres le ventre. Ton coude contre ici. Encore. Ouais, là, plus. Je peux pas plus. J'ai... C'est pas mal. Attends, ici, là, ici derrière, c'est la catastrophe. La side. Oui, mais attends, c'est. Oups. Ouais. Oups. Ouais. C'est bien. C'était le poids là. Oui, mais c'est pas là. Ouais. Et puis après. Okay. Tu changes. Voilà. Maintenant, là, la main. Voilà. Mets-toi sur les doigts de pied avec ce pied-là. Voilà. Ok. Puis là, tu ressors la hanche. Non, c'est très bien. Sur les doigts de pied. Sur la pointe. Voilà. En ce moment-là. Ok. Par contre, là. Contre le ventre. Et cambre le dos. Plus cambré. Ok, bon, c'est bon. Relâche la main. Tu te remets sur ce côté-là pour montrer ta fesse. Et maintenant, on fait le back. Donc, tu tournes avec la jambe droite. Voilà, tu te tournes complètement. Et maintenant, on apprend la... Voilà. Non, en fait, tu vas mettre sur le côté pour montrer ton dos. Back pose. Donc, c'est un peu comme la front. Donc la même chose, les pieds écartés, 10h10, jambes tendues, cuisses contractées. Mm-hmm. La différence maintenant, c'est que quand on fait la front, on met les épaules en avant. Là, le contraire, on veut un petit peu ramener le dos derrière et puis forcément l'ouvrir. Donc, ouais. Donc jambes tendues, cuisses contractées. Le dos, on l'écarte. Toujours une main sur la hanche. L'autre. La droite. Ouais. Donc tu laisses, tu écartes ton dos, tu le déploies. Oui. Et puis tu ramènes le dos en arrière, tu cambres à fond. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça ressemble. Moi, t'as envie, je vois. Ok. Là, on fait avec le pied droit. Derrière. Tu regardes. Voilà, tu as tout le poids sur la jambe droite. Mm-hmm. Tu mets les cheveux. Et puis là, on va faire la side de droite. Et là, tu as tout le poids ici. Tu changes. Je regarde. Tu tournes et tu changes le poids. C'est la même chose qu'avant, que l'autre côté. Donc là, tout le poids sur la jambe gauche. Tu lèves la hanche. Et là, il va mieux quand même. Ah, moi, c'est mon côté qui va pas bien. Et puis,
L'autre bras, 7 jours. Ouais. Ton bras ici. Là. Tes épaules contre les juges. Tac. Rentre le ventre. Cambre le dos. Souris. Ah, c'est pas mal. Tu relâches la main. Tu remontes tes fesses. Et tu fais la fronte. Tout petit. Cette fois, les bras de l'autre côté. Tends les jambes, contracte les cuisses. Amène les épaules en avant. Ok. Tu relâches. Tu salues. L'autre main. Ouais. Ok. C'est pas mal. Mais le dos, il ramasse, mais d'une violence. Ouais, il ramasse, oh, ça, le dos. Tu vas faire tout seul, je regarde. Allez. C'est bien, hein. Ouais, bah bon. Là, de ce côté. Hein? C'est même pas drôle, en fait, parce que tu fais trop juste. Alors, c'est front, hein. Ouais. D'abord, tu rentres sur scène. Ok, très bien. Alors là, si tu veux, tu peux faire une pause d'attente. Tu mets de profil, tout le poids sur la gauche. Et la même chose des bras. Le bras, le coude, il vient vers l'avant. Voilà. Monte pas les épaules toujours à la même hauteur. Il n'y en a jamais une qui monte plus haut. Voilà. Ton pied va derrière, ici. Voilà. Et là, tu rentres le ventre sur les fesses, sur les fesses, sur les fesses. Cambre. Non, tu ne penches pas le pas en avant, tu cambres le dos. C'est pas vraiment que ça va être celui-là. Bon, ok, c'est bon. Front pose, please. Ladies. Ok. Hop. Très bien. Hop. Très bien. Parfait. Ok. Rotate to the right, please. Ah merde! Voilà, voilà, attends tout le poids là. Ouais. Ah merde, ton coude. Quand? Ah putain. Attends, voilà. Ouais, ouais. Ok. Quand t'as le right? C'est le back pose, hein? Ouais. Sur celle-là. Putain, tu fais trop bien! Que penses-tu du posing bikini? Oh, je suis plus grande pour une fois, je suis ta taille. Ça va? Oui, limite. Mais c'est plus difficile que ça en arrière quand même. Pourquoi? Le dos, il ramasse une chie, le bas du dos. Toujours être cambré, toujours devoir cambrer. Et puis le pire, c'est de, avec le bassin, de lever pour que ça sorte mieux, en même temps cambré. Moi, j'ai fait 2 minutes 30 là, j'ai droit ici, c'est déjà dur. Pas mal. Mais le dos ramasse. On remarque pas, tant qu'on n'a pas essayé, que ça paraît pas si simple. Mais tu fais trop bien. Ouais. Tu fais trop bien pour la première fois, enfin deuxième, allez. Tu veux faire encore une fois? Front pose, please.
crochet turn to the right. Ah pardon, je suis devant. Quarter turn to the right. Écarte ton dos. Tu dois pas... Voilà. Encore? Non, comme c'était avant. Ouais, voilà. Ok, quarter turn to the right. Les fesses. Recule ton pied droit. Ouais, non, c'est à droite. Voilà, tu montres. Très bien. Quarter turn to the right. Front pose, please. Écarte plus tes pieds. Ça? Ouais. Mais ça sera pas des pieds, ce sera plus. Voilà. Ouais, un peu en avant. Ok. Thank you, lady. Tu fais front pose. So turn to the right, please. Quarter turn to the right. Back pose, right? Okay, quarter turn to the right. Okay, thank you, lady. No? A quarter turn to the right. Ah, j'ai merdé. Okay, thank you, ladies. Présentation individuelle. Je la rappelle. Reculons un tout petit peu, voilà. Alors, je viens de finir mon cardio, là, en train de rentrer, je meurs de faim, on va aller manger. J'ai mis une vidéo en story quand je fais le posing. Stéphane m'a répondu que de sûr on allait faire le burger, mais on n'allait pas le faire le soir avant la compétition, mais deux soirs avant. Donc le deux soirs avant on fait le burger, le lendemain retour au macro, et puis ensuite le jour du show. Parce qu'apparemment j'ai l'air vraiment bien maintenant, donc voilà. Sinon je vais terminer cette vidéo ici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de commenter mon beau posing aussi, s'il vous plaît. Commentez si c'était bien fait ou pas. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.